J'ai trouvé ça moins impressionnant qu'en vrai. On voit par contre à mon émotion que c'est impressionnant quand même. Tu devrais m'entendre. Oui, très bien. Radio Evor. Donc du coup, la radio presse 126. On a dit qu'on était bon en 126 dès le début. Oui, et tu programmes la... Et programme le fréquence Evor, c'est ça ? Et tu programmes tout. Alors, donc... La radio d'abord. Tant que tu es en radio. Hoche en 123. Donc du coup, ce sera... Alors les unités en premier. Les unités en premier, les décimales ensuite. Tel que tu l'écris avec un crayon. Ok. 123, 0, 0, 0. Voilà, tu passes en mode... Je suis prêt. Tu passes en mode nav. Comme nav. Non. Oui, pff, ouais, non c'est pas la. Ah, vas-y, dis-moi. Comme nav. Ah, comme nav, ok. Voilà. Et là, du coup, je vais me mettre en 114.8. On est dessus. Voilà, et je l'active. Bascule. Voilà. Et maintenant, avec l'Omni Bearing Selector, OBS. Non. OBS. OBS, le bouton OBS. Je le vois pas. Oui, tu l'avais là, ok, vu. Tu vas sélectionner la route qui t'intéresse pour aller sur la balise. 250, on a dit. J'ai ma carte qui est derrière. 250. Non, tu l'as sous les yeux, regarde. La route 250, voilà, 250. Ouais, correct. Ok, c'est bon. Voilà, alors remets-le. Voilà. Alors, faut le laisser comme ça, parce que ici, tu as ta première fréquence, ta deuxième fréquence. Ici, la route que tu as sélectionnée par rapport à la balise 114.80. Okay. Pour l'instant, le VOR, il est flagué parce qu'on ne le reçoit pas. Okay. Et quand tu vas le recevoir, je vais te montrer en vol, il y aura un triangle pointe vers l'avant, c'est-à-dire que tu as la balise devant toi, on est en tout, si tu préfères, et avec une aiguille qui va représenter la route que tu as tracée sur ta carte, c'est-à-dire okay. La route 250 entre Montauban et la balise. Je peux corriger. Tu corriges. Si l'aiguille part de ce côté, ça veut dire que ta route part à gauche, donc il faudra revenir. Okay. Je vois, ça marche. Voilà. Oh, très bien, on a fait ça, le squash. Voilà. Okay. Donc le transpondeur, alt 7000, c'est bon, et le GPS. Alors le GPS, tu vas programmer. Reste. Alors tu vas pas faire comme ça. Ah. Tu vas faire Active Flight Plan. Voilà. Premier point, c'est Montauban. Deuxième oui. point. Et du coup. Non, tu le laisses. Hein. Deuxième point. Add Waypoint. Tu tapes AGN. AGN. Et Enter. Entrée. Alors, c'est un VOR en France, en Algérie en ou France. Ouais, en France. Add Waypoint. On a dit LFDH. LFDH. Entrée. Enter. Et pour finir, Montauban. L, F, D, B. Charlie Delta, c'est bon pour toi ? Voilà. Tu fais menu. Menu. Tu fais edit on map, c'est-à-dire la voir sur la navigation. Voilà. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as tracé sur ta carte ? Ça ressemble exactement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu fais back. Back. Tu fais back un coup. Back un coup. Et tu fais map. Map. Voilà. Prochain point, AGN, route 248. Pu. Parfait. C'est bon ? Excellent. Ok. Eh bien du coup, le GPS, il est réglé, l'horizon, il me semble correct, le directionnel, on est en 212, là, voilà. J'y arrive. L'altimètre, 350, QNH, on est bon, volet et trim, je sors les volets, je teste, ils sont symétriques, et je les remonte.
c'est bon, le trim. Je le remets au neutre et je teste qu'il fonctionne. Thomas, on se remet au kilo, compte final 31, on atterrit. Alors c'est normal qu'il marche pas. Pourquoi ? Regarde bien sur quel pilote il est positionné. Voilà. Là, autant pour moi, ouais. Je me suis fait avoir. Voilà. Ça marche. Les ceintures, attachées pour c'est moi, attachées pour toi. La verrière, on peut la verrouiller. Tu veux la laisser... Ouais, voilà, okay. Voilà, on va rouler. Briefing roulage. Bonjour, Platus PC6, provenance Castel Sarrazin, destination des installations. On est bien compris pour la 31, on estime la verticale d'ici 4 minutes à 2500 pieds pour faire un exercice d'encadrement suivant le trafic. Ok. Donc du coup, on va faire un roulage jusqu'au point de l'attente Bravo. Le premier virage sera par la gauche pour un décollage en piste 31. Ok. C'est bon pour toi ? Message. La radio. Pour un vol à destination de Hoche. Oui. Fox Alpha Mike, Montauban, bonjour. Ah. C'est l'inverse. Hein. Montauban, Fox Alpha Mike, bonjour. Fox Hotel India Alpha Mike, un P2002 au parking, deux personnes à bord, 4 heures d'autonomie, pour un vol en direction de Hoche. Je roule vers. Je roule vers le point d'attente Bravo, pour un décollage en 31. Et du coup j'attends que l'autre avion... Non, vas-y, au principe il veut pas tout toucher. Romeo, kilo piste, dégagé, roule au parking en cas. Ok, allez. Tac. Les essais de frein sont symétriques, c'est bon et fonctionnel. Je vais le croiser lui, non ? Ou il va s'arrêter avant ? Il va s'arrêter avant, ouais. D'accord. Parking. Le tracteur sorti de la piste. Hein. Montauban Romeo Kilo Parking Amca, on quitte la fréquence, bon après-midi, bon voilà. Alors, je vais tester mon coordinateur de virage et ma bille. C'est Montauban du Fox Charlie Delta, 2500 pieds à 1 minute de la verticale pour un exercice d'encadrement 31 à droite. En tournant à droite, mon indicateur virage répond et la bille bascule à gauche. En tournant à gauche, mon indicateur de virage correspond et ma bille bascule à droite. Alors, la checklist au point fixe. Donc le roulage, les freins ont été testés, le gyroscope également. On va faire les essais moteurs. Le frein de parc, il est serré. La pression d'huile, on est bon. La température est en train de monter. La pression d'essence, toujours bonne. Est-ce que je souffle quelqu'un ? Il n'y a personne autour. Je mets mon régime monteur à 1600 tours minute. Ok, régime moteur 1600 tours. La réchauffe carbu, je devrais perdre un petit peu. Effectivement, ça baisse. Magnéto gauche. Je perds un peu, je reviens. Magnéto droite. Je perds un peu, je reviens. Dépression gyro, on est bon, on est à 4. La pression d'huile, toujours bonne. La pression d'essence, toujours bonne. Et bien pris pour Alpha Mike, on est au point d'attente, on met tes positions. Indicateur de charge, toujours bon. Je teste mon ralenti. Il n'y a pas de soucis pour nous, on met tes. 600 tours, 650, on est bien. Avant l'alignement, les commandes. Livret fonctionnel, mais j'en ai un peu la tablette, mais c'est pas grave, et ça répond à l'extérieur, c'est bon. La profondeur, t'es pas allé à buter, vas-y, voilà. Ok. La pompe est allumée. Les volets en position, décollage. Est-ce que
que tu voudras qu'on fasse un petit palier au décollage oh ben, 50 okay. La rotation, la montée 60, pas avant. Alors, dévoiler en position décollage le phare allumé. J'ai le strobe, pourquoi il n'est pas allumé? Alors, il n'est pas sur la checklist, j'ai loupé? Si, il y était sur la check, mais tu l'as loupé, ouais. Merde. Le briefing départ. Alors, je décolle en piste 31. Ma vitesse de rotation sera de 50 nœuds. Ma vitesse de montée initiale sera de 60 nœuds. Ma vitesse de montée normale sera de 70 nœuds. En cas de panne avant le décollage, je retire les gaz, je mets du frein. En cas de panne mineure après décollage, je fais un tour de piste et je viens me poser en adaptant. En cas de panne moteur après décollage, je rends la main, je prends un cône 30 degrés de part et d'autre de Dax de l'avion et je prends une assiette appliquée. Mon premier cap sera de 249 degrés après décollage. Ouais. Et Le temps pour aller sur la balise. Et le temps pour se rendre jusqu'à Agen sera de 14 minutes. Donc je pense bien à prendre le chrono une fois configuré mon avion pour la montée. Voilà, quand tu rentres les volets, bah, tu topes le chrono. Je tape le chrono. Et tu liras l'heure. Et on le notera après, mais tu retiendras ton heure de décollage. Okay, je me rends compte que peut-être je devrais mettre la tablette à droite, je suis droitier, je suis pilote à gauche. Ça, tu te débrouilles comme tu veux. Okay. Bon, je pourrais tester. Ouais, non, c'est bien comme ça. Non, t'es bien comme ça. T'es droitier ? Je suis droitier. Oui, mais c'est bien. Je pilote et je note avec la main gauche ? Oui, ça te débrouille. Ok, on va faire ça. Alors, là, il faut un exercice d'encadrement. Voilà, donc tu attends. C'est quoi un exercice d'encadrement ? Un exercice de panne vertical direct. Sécurité de la Gazelle Fox Bravo Whisky, on est donc dans l'enceinte, on va mettre en route pour le point fixe et donc je sais que vous êtes au niveau des heures. Ah, c'est suivi pour la sécurité, comme d'habitude, une personne. C'est un ordi de gaz pour le Fox Alpha Delta. L'extrémité du con. Parfait, le dispositif est en place, mais on est en route. Et le Fox Alpha Mike au point d'attente Bravo s'aligne et attend en piste 31. S'aligne, on rentre. Voilà. On rentre, il n'y a personne derrière, hein, tu peux le faire. On va attendre que sa turbulence de siège se dégage un petit peu. Hein. Vas-y. Voilà, il a raté son encadrement. Il a raté son encadrement, ça. On va le faire dans l'est, dans l'axe. Du coup, j'ai pas trop suivi la radio, hein, tout ce qui s'était passé pendant que je faisais ma checklist. Voilà, on va fermer les écoutilles. Pour moi, c'est bon. Pour moi aussi. Il n'y a personne en finale. Voilà, donc je m'aligne et je décolle, il y a d'abord je m'aligne. Ouais, et je suis pas très bien aligné. Là je suis bien aligné, voilà. C'est voilà. Mieux. Et alors, on a dit en 31, je suis bon, il est réglé. 314 exactement, au degré près. Hein. Là. Voilà, okay. On vérifie la boussole si elle est juste. La boussole est juste, 315. Et non, 305. Là, non, elle n'est pas juste. Non, elle n'est pas juste. Il manque de 10 degrés. Ouais, je sais pas pourquoi, ouais. À ce cap-là, elle n'est pas juste. Ok, ça marche. Bon, allez, c'est parti. C'est bon pour moi. Allez, c'est parti. Je me prépare. Donc, allez, les gaz. Mon régime moteur. Puissance Alpha Mike. Décollage de piste 31. 2100 tours. Mes éléments moteurs sont dans le vert. Je garde l'alignement. Le badin répond. 40 nœuds. 50 nœuds. Rotation. Donc la tablette m'emmerde bien pour le décollage. Je ferai attention la prochaine fois. Allez, je prends 60 nœuds. Le cap du château d'eau. J'en ai pas mal. 500 pieds, mes éléments moteurs sont toujours dans le vert. Un peu plus fort. Allez, je reconfigure mon avion, donc j'éteins le phare, je rentre les volets. C'est bon, tout le monde du Fox Charlie Delta, on est dans le sud-ouest de la ville. Voilà, et là tu topes ton chrono, mets-toi en mode chrono. Exactement. Voilà. D'accord. Top chrono. Ah, tu as enlevé le mode... Merde. Ah. Hop. Voilà, t'as l'heure ici, hein. Oui, donc 16h08. Il est 08, alors 08 c'est entamé, tu comptes 09. Hein. Allez, 09, donc là je peux prendre mon premier virage. Voilà. 20 degrés. La bille au milieu, c'est plus joli. La bille au milieu, c'est plus joli. Alors,
attends, il faut que je trouve mon cap. Trimble à monter. Hein. Alors le GPS, tu essaies de pas trop le regarder. Non, non, je regarde pas, j'essaie de regarder voilà. Ça plutôt un petit peu. Voilà, alors le trait que tu as tracé, il part de la verticale du terrain, il va à hauche. On voit le Pilatus là-haut. Et nous, on a fait le... Voilà, tu peux revenir vers la gare. Et comme ça, tu vas revenir sur ton trait, tu comprends? Ça marche, je voilà. Récupère mon cap. Vers le 17, là, tu peux revenir. Ah, on passe au-dessus du régiment, j'ai mon collègue qui bosse. C'est le Fox Charlie Delta, verticale d'installation, 2500 pieds en début de l'exercice. Ah, j'espère qu'on pourra aller à Auch, parce que là-bas c'est chargé un peu, niveau ouais. Météo, on va voir. Salut les copains, j'espère qu'ils bossent bien. Alors, voilà, là tu es revenu à peu près sur ta route, vas-y, tu reprends ouais. Ton... Donc en sécurité, j'ai personne autour, le Pilatus s'éloigne. Je veux un cap à 248, on l'avait dit tout à l'heure, 250. 250 avec la petite dérive que tu as. Voilà, tu prends 250, je pense que tu seras pas mal. Voilà. Voilà. J'ai 250. 1800 pieds, mes aéromonteurs sont toujours dans le vert. Je vais compenser cet avion en montée. Voilà. Et... 2000 pieds. À 2000 pieds, je me mets en palier. Voilà, palier. Test de croisière. On va bien chercher ça. Voilà. Et là, tu le trimes définitivement. Et ton régimenteur aussi, définitivement. Cela, t'es un sur-régime. Vas-y, okay. Ready. Vas-y, ready. 2000. Ok, je pensais à 2100. Ah non, 2000. 2000. On va y aller en croisière économique. Là. Allez, ça marche. Alors, cet avion, il veut faire quoi? Oh, il est pas trop mal, hein? Attends. Je descends là, non, du coup? Non, non, c'est bon, on perd pas bien. Voilà, bille au milieu, c'est plus confortable. Voilà. Alors, tu te mets au 250, tu prends un point de repère loin devant. Voilà, on a une espèce de rayon de soleil qui éclaire un champ, là, grand champ là-bas, très très loin, juste sous le trait d'horizon. Un champ jaune là-bas. Oui, vu. Okay. Voilà, on a une cabane blanche qui est ouais, un peu à droite. Blanche, le champ vois. Jaune. Ouais. Voilà, allez, moi je prendrai le champ jaune là-bas. Moi je prends la cabane blanche. Cabane blanche ouais. Ah ouais. J'ai eu pile poil en face pour en moi. Face de... Non, tu l'as en face de l'hélice. Attention ah, au ouais, parallaxe. Hein. Ouais, alors attends. Non, t'as raison. Ok, allez, le champ. Voilà, le champ jaune. Voilà. Attention, pas aligner quelque chose qui est en travers parce que si tu alignes l'hélice, on est décalé. Hein. Ouais, ça marche. L'hélice, moi je l'ai en face du nuage blanc là, tu vois le ouais, petit nuage ouais. Blanc. Ouais, ouais, tu vois l'erreur de parallaxe qu'il y a, c'est énorme. Hein. Ça. Voilà. Ok. Allez, et maintenant on fait notre check croisière. Hein. C'est-à-dire on trace notre route. Est-ce que le top tu l'as pris? Oui, j'ai pris le top. Ok, est-ce que tu as noté l'heure? Je note l'heure. Allez, vas-y, note l'heure. Donc ça fait 4 minutes. Minutes qu'on est parti. Et il est 12, donc il était 08. Alors là tu peux noter 08. Je prends la faire de main gauche. Voilà, 08. Ouais, bah, tu peux le faire avec ta main droite, t'es droitier. Voilà, 08. Avais-tu pas profité pour calculer l'estimé? Alors, l'estimé, du coup, on avait décollé à 08 plus 14 minutes, ça nous fait 22. 22. Voilà, et tout pour en, l'instant, on tout reste en pilote, tout en regardant ta trajectoire sur le champ jaune là-bas. Ouais. Voilà. Donc, le top, le chrono et l'heure à noter. Ouais. Notre route, est-ce que le cap est bon en tenant compte du vent? Il n'y a quasiment pas de vent. Il n'y a pas de vent, on dirait. Le gyro, est-ce qu'il est bien réglé? Oui. On est au 200, on va le laisser comme ça. Okay. Et est-ce que le VOR, tu en tiens compte? Le VOR, regarde bien, on est pile poil sur la route. On n'est pas trop mal. Voilà. Notre altitude, en fonction de la météo, des zones en rouge, donc le stand de tir, on va le gérer, et des espaces aériens. La météo, est-ce qu'elle est bonne? Un quart d'heure devant nous. Oui. Ok. La cabine, le carburant et les systèmes. Donc le carburant, on est le carburant, bon. Il est bon, les systèmes, donc tout est bon. Oui. La pompe est coupée, les volets sont bien rentrés, le phare est coupé, donc tout va bien. Estimé, l'heure notée pour ton prochain point. Prochain point, ouais, c'est fait. 22. 22. Et la radio. Prochain contact. Prochain contact, on va quitter après, avec Agen, on l'a dit. On va quitter avec Montauban ah. D'abord. Hein. Ok. Donc Montauban de Fox Alpha Mike. Destination 2. Destination de Hoche, je quitte la fréquence, à une altitude de 2000 pieds. Je quitte la fréquence, au revoir.
Montement de Fox Alpha Mike, destination de Hoche, à 2000 pieds, je quitte la fréquence. Voilà, et t'aurais pu regarder, au lieu de regarder ton aile gauche, t'aurais pu regarder le champ qui était là-bas, parce que t'es plus en face. Donc t'as changé de cap. Voilà. Ok. Quand tu changes de CD dans ta voiture, eh ben, tu regardes la route, hein, tu regardes ouais, pas... C'est vrai. Voilà. Ok, et tu bascules sur Hoche, comme ça. Alors là, je suis un petit peu... Ma route est un peu à droite. Ouais, mais c'est bon. Le vent, il a des fluctuations, hein. Alors, vas-y, tu bascules sur Hoche, comme ça, on aura terminé la checkpoint tournant. Ok. Alors ça, c'est la checkpoint de route, c'est ça? Voilà. C'est ce qu'on appelle une routine. Voilà, on le fera régulièrement. Ok, puis, ça marche. À chaque fois qu'on a un point tournant. Alors, le stand de tir, il est en dessous de Corde Tolosa, voilà. Là, tu le vois. Voilà, la carte, tu l'as quelque part. Et pour savoir où tu es, c'est très simple. Regarde bien, on est à top plus 6 et demi. Oui. Voilà, donc on a topé au départ, la carte dans le sens de la marche. On est à top plus 6. On a bien le centre de tir, voilà, qui est à droite. Et on est en train de passer la Garonne. Alors le centre de tir, il est juste après la gestion de l'eau. Là, au bout de l'aile, là, regarde. Dans l'arrondi, là. Dans l'arrondi de la Garonne. C'est grave, je le vois pas. Au bout de ton aile, le chemin, il y a le petit chemin d'accès. Ah oui, d'accord, c'est ça, oui, correct. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais. Ça marche. Voilà, oui, alors tu vois le fait de graduer, tu sais en permanence où tu es avec ton chrono. On est à top plus 7, on vient de passer la Garonne. Ok, ça marche, parfait. On est pas mal. On est bien. L'avion est bien trimé, je garde mon repère. Ton repère est les pas mal. Les hein. moteurs sont toujours dans le vert. Alors tu connais le Morse, hein? Non, moi non, je ne connais pas. J'ai tous les logiciels pour l'apprendre, mais je suis un peu un branleur, j'ai jamais mis le nez dedans. Mais je vais le faire du coup, parce que ça m'intéresse un peu. Alors si tu veux, tu laisses tomber tous les logiciels, et je t'apprends le Morse à peu près 10 minutes. C'est vrai? Ouais. Vas-y, dis-moi. 1, c'est 1, tut. Les chiffres, je les connais pas. Ah bon, d'accord. Mais les lettres, je les connais. Alors vas-y, dis-moi. Là, tu vas écouter A, G, N. Ok. A, G, N. Alors il y a 26 mots à apprendre. Oui. Le A, c'est Athos. Ok. Comme Athos, Portos et Aramis. C'est facile à retenir. A, Athos. Ouais. Comme les Alpha Jet. Le G, c'est à Venise, il y en a, sur l'eau. C'est G. Le G, qu'est-ce qu'il y a à Venise sur l'eau? Merde, le nom des barques là. Voilà. Attends, je. Ça commence par un G. Je vais pas te le retrouver, je l'ai au bout de la langue. Les G. Ça s'appelle une gondole. Une gondole. Voilà. Bordel. Et le N, il y en a dans les couvents. Des nonnes. Voilà. Donc ça va donner Athos, gondole, nonne. Athos, gondole, nonne. Il y a 26 mots très faciles à apprendre comme ça. Ils s'apprennent en 10 minutes. Ok. Athos, gondole, nonne. Alors maintenant. On va mettre en mode nav, N, voilà, et tu montes le volume. Non, le volume de la nav. Ah, le volume de la nav. Voilà, et tu vas appuyer sur le bouton pour avoir l'identification Morse. Tu appuies une pichenette dessus. Attends, je vais faire comme ça, ça sera mieux. Appuie juste dessus, voilà, et tu montes le volume. Voilà, regarde ton champ toujours pour tenir ta route. Athos, gondole, non. À chaque fois qu'il y a un O, c'est un trait. Athos. Gondole, nonne. Écoute bien. Athos, gondole, nonne. Ok. Gondole, nonne. Ok. Athos, gondole, nonne. Ok. Ah ouais, Athos. Tous les mots avec une syllabe en haut, les 26 mots qu'on a, les 26 mots de l'alphabet, chaque fois que tu auras une syllabe avec un O, c'est un trait. Ok. C'est pas bon pour retenir. Gondole, nonne. Ok. Voilà. Maintenant, tu peux baisser le volume. Alors, je baisse le volume ou je Alors, le laisse? Alors, enlève l'identification. Voilà, enlève-le. Voilà, baisse le volume. Complètement. Et tu enlèves le code de nav.
Alors, le OneDAV, il permettait de faire quoi? C'est juste pour écouter, pour écouter le code de Morse. Ok, ensuite le volume pour monter le volume. Voilà. Et l'identification. C'est pour écouter le code de Morse. Le code de Morse, d'accord. Voilà, regarde bien. Tu vois, par rapport à ta route, tu es en train de partir. Pourquoi tu n'es pas en train de partir? Je suis à gauche de la route. Alors, pourquoi tu es parti? On se rapproche du bord. Oui, mais encore. Alors que tu avais le bon cap. Mais tout simplement parce que tu dérives. On est en train de dériver, on se rapproche. Voilà, corrige pas trop au coup, là, corrige pas. Ah ben si tu veux y revenir. Alors tu reviens, tu te remets sous 20 degrés. Voilà, tu te mets 20 degrés de convergence par rapport à la route. La route, elle est de ce côté, t'es d'accord avec moi. On va l'intercepter sous 20 degrés. D'accord. Voilà, mais jamais plus de 30. Tu peux aller jusqu'à 30 si tu veux. Là, on est à 20 degrés, 270. Voilà. Sox Hotel Delta Makeko, c'est un désert, une personne à un village là. Tu le vois? C'est pas un village, c'est Hoche. Ah mais c'est une petite ville. Ah non, c'est... Attends. Alors, une petite ville à ta gauche, t'es d'accord avec moi? Il y a le lac Beaumont de Lomagne. Ah mais je sais pas, regarde la montre, quelle heure il est? Attends, alors, on est à 11h26. Ça fait 12 minutes que tu voles. Allez, regarde 12 minutes où tu es. 10, 11, 12... Non. La météo, elle est comment? Attends. 5, 10... Ouais c'est ça, c'est Beaumont de Lomagne. Voilà. On est bien top plus 12. Ouais. Ok. D'accord, bien reçu, merci. C'est vachement plus rapide en avion hein, d'y aller. Voilà, je sais pas comment ça va être demain. On peut faire demi-tour avant si jamais on va voir, on va s'en rapprocher. J'ai entendu que l'autre avion demandait la météo à Hoche là, par contre on l'a pas entendu la réponse. On fera pareil tout à l'heure. Hein. Ça marche. Je suis en train de monter tout doucement là. Voilà, regarde ta route ce qu'elle fait au niveau du bord. Je suis en train de me rapprocher. Voilà, t'es en train de te rapprocher. Ah, ça s'éloigne. Alors attention, il y a des fluctuations, ne cours pas après l'aiguille. D'accord. Ne cours surtout pas après l'aiguille. Tu regardes la tendance, si la tendance tu t'as fait dériver, regarde, tu vois le vent, on le voit avec la fumée de Wolfesch, tu vois, ça nous a fait... un peu comme ça. Hein. Voilà, ça nous a fait... voilà, donc on corrige un tout petit peu, mais après quand tu es revenu sur ta route, tu es quasiment revenu. Quel cap tu vas reprendre? Alors... Une fois que tu es revenu sur la route. Du coup, je vais anticiper un petit peu le... Alors tu vas reprendre, est-ce que tu vas reprendre ton cap 250? Non, je dirais 255. Voilà, hein, 5 degrés, hein, elle est là, une toute petite dérive. Hein. Là je suis en train de revenir tout doucement, quoi que je suis dessus, 255. Voilà. Allez, on est à top plus 13, donc la balise dans une minute à peu près. Dans une minute. Alors dans une minute, une fois que tu passes à la verticale de la balise, comment on va le voir quand on passe à la verticale de la balise? Le triangle pointe avant, il va passer pointe arrière. Ok. Voilà, là tu es revenu sur ton route, donc tu reprends le 255 maintenant. Voilà, il n'y a pas besoin de pied pour des petits virages. Pas de pied, sinon tu dirais, voilà. Là, tac, 255, hop. Un point de repère loin devant, il y a deux châteaux d'eau là-bas. Ouais, je prends celui de droite. Et ben voilà. Est-ce que tu as déjà vu une balise au sol? Alors je sais que c'est encadré par des clôtures, tout ça, j'avais vu en... Alors c'est un champ de nectar. Hein. C'est dégagé un peu. Il fait 100 mètres de côté, c'est des carrés généralement, okay. 100 mètres de côté. Alors il faut essayer de le trouver. Bon, non, ne cherche pas au sol pour l'instant. Ah d'accord. Regarde plutôt ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Ouais, on est à 13,45. Voilà. Et on avait dit 14. On a dit à 14, donc à 14 je me prépare à faire mon virage. Voilà. Donc là pour l'instant c'est les châteaux d'eau, tu m'as dit celui de droite, tu bouges pas. Ouais. Celui de droite. Celui de droite. Et c'est pas l'hélice que tu l'as, l'hélice. Ah ouais, c'est moi-même, ok. Allez, voilà, 14.05. Il y a un petit boulon là, quelque part par là, je sais pas où, voilà, c'est ça qu'il faut que tu alignes. D'accord. Est-ce que j'attaque mon virage, hein? Tu l'as passé la balise ou pas? Oui. Tu l'as passé? Ah non, pas encore. Mais non, pas encore. Ah oui, non, j'attends de la passer. Ok, je le vois, c'est en bas. Tu vois le carré, voilà, tu vois le carré avec un truc au milieu. Voilà, donc tu vas la mettre de ton côté, comme ça tu la verras mieux. Et surveille la ligne d'horizon, parce qu'on n'est pas les seuls à y passer dessus. Ouais, ok. C'est un point de ralliement, hein, le balise. Donc là, ici, il y a plein de monde qui peut y passer, on regarde bien autour. Là, on voit la petite pluie hein, quand même en face. Ouais, alors je sais pas, on va voir si, sinon on fera demi-tour. Oh, on adapte. On va adapter, hein. Mais c'est pas grave, on aura vu plein de choses quand même. Ah oui, bien sûr. Alors surveille le basculement maintenant. Okay. Voilà, donc c'est ça que tu surveilles. Ça devrait pointer rapidement et vers la gauche. Ensuite, dès que ça bascule, tu prends une heure, tu prends un top, tu redéclenches ton chrono et tu prends ta prochaine route qui sera de. Attends, ça va pas basculer encore. Hein. Ouais. Regarde, ça, attention, ça va pas tarder. Tu la vois la balise de son côté? Ouais, je la vois le bord. Ouais. Il est au sol là. Regarde bien ici,
Ouais, ça y est, ça bascule tout doucement. Ouais, regarde ici, regarde au bout de mon doigt, ouais. Attention, ça n'a pas basculé encore. Bientôt. Regarde au bout de mon doigt, toujours. La pointe est devant, donc le bord est devant nous, regarde bien. Ça devrait pas tarder d'arriver. Et tac. Voilà, allez, okay. Maintenant, il n'y a personne autour. Top chrono, le chrono repart. La route, tout de suite. Allez, la route. On avait dit que c'était une route en 225. Alors, faut y aller rapidement, hein, sinon tu vas t'écarter de ta route. Hein. Je peux faire un virage à 30 degrés, là, voilà, top 225, tu prendras un cap. Un cap combien? 225. Et non, on a toujours le vent de la droite. 230. Hein. Et ben voilà, 230. Voilà. Maintenant, par contre, le vent, on s'en sert toujours ici. Oui. Donc tu vas afficher ta nouvelle route. Et avec... Ah ben, il sera en from. Non, ici, ça, l'affichage des routes. C'est non, ça. direct. Tu peux y aller, là. Ah ça. Oui, alors, autant pour moi. 230, on a dit. 230, voilà. L'aiguille va se recentrer au bout d'un certain. Doucement, ouais, voilà. Voilà. On voit bien l'orage qui est pas très loin au-dessus de... Oh, ok. J'entends pas assez, moi. T'entends, toi, ou pas? Non, ben vas-y, là. Voilà. Allez, maintenant on se refait une routine. Alors, le top, est-ce que tu l'as pris? J'ai pris le top, on est à 1 minute. À 1 minute, à quelle heure il était du coup? Il est 16h26, eh ben, donc 25. Donc il était 25, ouais. L'installation, on contourne le grain donc, et le quand il n'y a pas de trafic connu dans le secteur, on va repasser avec Toulouse. 25, pardon. Moi voilà. J'ai pas d'autre trafic à signaler. Oh, en fait. Ben, c'est parfait, on quitte la fréquence pour passer avec Toulouse, Fox 5 Echo, à bientôt. Estimé, on avait dit 10 minutes, donc 35. Voilà. Et tu lui diras que tu estimes l'arrivée à 35. Ok. Voilà. La route, est-ce que tu as tenu compte du vent? Oui, 5 degrés, c'est pas mal. Hein. Oui. Est-ce que le vore, tu l'as réglé? Le vore, oui, on l'a réglé. On l'a réglé, donc l'aiguille va se centrer bientôt. Notre altitude, en fonction de la météo des espaces aériens, On est toujours bon. On est toujours bon. On avait calculé, même comme c'est notre dernière branche, notre altitude d'arrivée. Oui. On a calculé notre altitude d'arrivée 1900 pieds. 1900 pieds, donc on est bien là. Ok. Notre cabine carburant, un petit coup d'œil sur la cabine carburant, voir si tout va bien. On est bon. Notre estimé heure notée en fonction du vent. 35, c'est bon. Et la radio. Ok. Voilà, t'es prêt à noter ce qu'il va te dire? Je suis pas prêt à noter ce qu'il va me dire. Voilà, alors le QNH, regarde bien, quand on est parti de Montauban, il était de combien? 13. Non. Non. Regarde. Là, il est à 17. Voilà, 1017. Donc en gros, il va te donner le QNH à peu près à 1017. Ok, ça d'accord marche. Alors attends, j'essaie de trouver un point de repère, mais là c'est un peu plus compliqué. Le petit nuage noir là-bas. Ouais, vu. Ah, ok, allez, tu prends ça comme petit repère. Petit nuage noir. Hoche 2, bonsoir. Bonjour. Alors, Hoche 2, Fox Alpha Mike, bonjour. Oui, bonjour Alpha Mike. Fox Hotel India Alpha Mike, un P2002 avec deux personnes à bord, 4 heures d'autonomie en provenance de Montauban. À destination de vos installations, heure d'arrivée estimée 35, à une altitude de 2000 pieds. Fox Alpha Mike, on tourne en 18, pas de trafic actuellement dans le circuit, ni aux abords du terrain connu, QNH 1018, rappelé en vue. Fox Alpha Mike en tournant 18, un vent à 20 et un QNH de 10-18, je rappelle, en approchant de vos installations. Très bien. Voilà, ouais, maintenant tu continues ta navigation. Voilà, tu as tous les éléments pour te poser. Il y a un joli orage. Hein. Ouais. Je suis même pas sûr d'avoir activé le réducteur de son sur mon casque là. Ah oui, c'est mieux. Je l'avais pas allumé depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'entendais mal quand il parlait. Alors, on est un petit peu dérivé. On est en 240, on a dit 230. On est toujours bon au niveau des éléments moteurs. Allô, tu m'entends? Allô.
Ouais, j'ai eu ton message, je sais pas si tu me reçois. L'avion qu'on croise en bas là. Ouais. Ouais, j'ai eu ton message, je suis en vol, j'arrive à Auch là. Et à Auch, ben écoute, il y a un gros front qui arrive là, je vais tenter d'aller jusqu'à Auch, hein, si tu reviens vers Montauban, je suis incapable de te dire le temps qu'il fera dans une heure à Montauban. Hein. D'accord, ben voilà, regarde sur AeroWeb, voir ce que ça peut donner dans une heure. Hein, voilà, ben écoute. Alors si tu fais... je suis incapable de te dire le temps qu'il fera dans une heure. S'il fait beau, on aurait une mission photo à faire éventuellement. Sinon on reporte, hein, n'aie pas peur de reporter. Voilà. Alors, renseigne-toi avant de partir au niveau de la météo, voir ce que ça peut devenir. Extrapole, moi. Ah d'accord, ok. D'accord. Et moi je suis en vue de Auch, on fait un toucher à Auch, puis on repart vite parce que la météo nous galope là. A tout à l'heure, dans 40 minutes je suis posé. Allez, à tout à l'heure. Bye. Jolie pluie là, jolie averse. Ouais. Voilà, allez, ton cap, attention, tu m'avais dit 230, voilà. Voilà, corrige pas trop, c'est de 225, 5 degrés de dérive. Regarde devant toi, tu vas avoir des trucs intéressants, regarde bien. Alors, on est sur cette branche-là, on est à top plus 6, donc on est là. Donc regarde ce qui se passe devant toi. Bon, je devrais voir la ville. Eh oui, regarde bien. Au loin, mais l'aérodrome sera avant. Voilà, tu la vois la ville? Alors attends, je crois que je la vois là. Voilà, et le terrain, ouais. Il est où? À droite, à gauche, avant, après? Avant, un peu à droite. Voilà, avant, un peu à droite. Voire même... Voilà. Je le vois. Ok, très bien. On voit le hangar, là, les gros hangars. Oui, hein. Je vois le hangar. Voilà. Allume le phare. C'est pas pour t'y voir, mais c'est pour que te voir arriver de loin. Ok. Est-ce que... Alors, comment tu vas t'y prendre? Tout à l'heure, je t'ai dit que c'est la 18 en service. Ouais. Donc, je prends ma carte VAC. Alors, tu prends ta carte VAC. Et moi, j'ai bien des cartes volantes, hein, au début, du moins. Hein. Après quand tu auras l'habitude. Tu l'enlèves. Voilà, tu l'enlèves. Hop. Et tu mets la carte dans le sens de la marche. Donc le nord, il est derrière moi, là, tu vois. Ouais. Donc le nord de la carte, il est derrière moi. Ouais, j'oriente. Donc quand tu vas arriver, et c'est la 18 en service. Est-ce que tu peux aller te poser directement? Si jamais je suis malin, oui. Et oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il te l'a dit, pas de trafic connu. Ok. On se fait une directe? On se fait une directe. Moi, je ferai bien une directe vu ce qui arrive là. Allez, on fait une directe. D'accord. Donc, du coup, je peux préparer mon avion tout doucement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit tout à l'heure? Rappeler en vue du terrain. Ouais. Et qu'est-ce que tu décides de faire? Faire une directe. Voilà. Et tu lui dis, je suis en vue pour une semi-directe sur la 18. Auch, le Fox Alpha Mike. Je suis en vue des installations pour une semi-directe. Je suis rappelé base piste 18. Rappeler base, donc je rappelle en base 18. Je rappelle en base 18. Allez, ralentis ton avion. On est quasiment en base là, en fait, tu vois. Et je le reconfigure. Oui, mais garde un peu de vitesse là. Parce que là, moi, j'ai pas envie de coucher à Auch ce soir. Hein. Bah, je t'offre l'hôtel si jamais on fait ça. Non. Ah, c'est bien épais, hein, dis donc. On va faire une arrivée, vas-y, serre un petit peu. C'est comment après autour, ça va? Oh, c'est clair après, ouais. Direction Montauban. Donc alors attends, je reprends. Mon régime moteur, il est bon. Je descends un peu tout doucement. On est reste sur le plan. Non, ouais. 1900 pieds, c'est pour la verticale. Voilà. Là, je commence à baisser. Voilà, ralentis ta vitesse. Va chercher le plan en même temps. Hein. Trop bas là déjà. Ouais, trop bas. Ouais, t'es à 100 nœuds toujours, tu peux commencer à ralentir un petit peu. Je vais ralentir tout seul en remontant un peu. Oh, attends, hein, je suis un peu perdu. Je mets ma réchauffe carbu, je sors les volets. Non, on fait une arrivée rapide alors, on va faire une arrivée rapide. Le truc, qu'est-ce là, que tu entends par arrivée rapide, dis-moi. Comme ça, reste comme ça. Bon, tu mets ta pompe. Le réchauffage carbu, si tu penses que ça peut givrer. Ouais, je pense que oui. Ok, vas-y. Je vais remettre un petit peu de gaz peut-être. Parce que et là, tu t'annonces à base, la 18 pour un toucher. Fox Alpha Mike, pour un toucher sur la 18. Donc je vais me poser, on fait un contrôle de vitesse et on revient, c'est ça? Mike 290, sinon. Oui, reçu. Donc on arrive à dernier virage. 290, sinon, et ce sera un touch.
Virage à gauche et retour vers Montauban. C'est noté, c'est Mike. Allez, tu peux sortir un peu de volée. Voilà, on range tout ce qui peut gêner. Sur les volets, là, je peux carburer mon avion et configurer. Allez, 60 nœuds. 60 nœuds pour l'approche. Ici, tu as un papy et il y a un vent du 290 pour 6 nœuds, donc tu as un vent plein travers droit. Plein travers droit, donc ouais. Ça va être un peu compliqué. Tu m'aides. Voilà. Le plan est pas mal. Allez, rentre ta vitesse, 55 nœuds, réduis tout, tout réduit. La bille au milieu, attention, la bille au milieu, voilà. Oh, on a un sacré vent. Voilà, sacré vent, on sait d'où il vient, il nous l'a dit, hein, 290, hein, ouais. Donc il est plein de travers. Voilà. Alors attends, je vais essayer de calculer mon approche. Garde cette correction de dérive, trop bas, 4 rouges, trop bas. Une blanche, 3 rouges. Trop vite. On va toucher voler 10 comme ça, tu restes comme ça. On touche, on redécolle ? Ouais, on fait un toucher, la piste est longue ici. Hein. Trop bas. J'en ai jamais fait encore des trop touchés. Trop bas. Accélère vitesse, je suis à 69. Voilà, corrige bien ta dérive. Garde 69. Hein. Anticipe ta vitesse chute. Trop bas. Voilà, c'est mieux. Voilà, toujours belle correction de dérive. Et tu le poseras sur la roue droite. Sur la roue droite, ouais. J'ai jamais fait encore, tu m'aides. Voilà, toujours. Correction de dérive, garde ta correction de dérive. Tu subis toujours le vent jusqu'au sol. Hein. Je suis trop rapide. Voilà, donc, ok, tu regardes le 18 maintenant. Ah, tu peux tout réduire, hein. Tu peux tout réduire. Voilà, tu vas faire ton arrondi, regarde loin devant. Voilà, tu le poses sur la roue droite, un petit peu de manche à droite. Manche à droite, voilà. Et pied gauche pour leur aligner ton avion. Voilà. Manche dans le vent. Ok. Manche dans le vent. Dans le vent. Voilà. Et c'est reparti plein gaz. Allez, envoie la patate. Voilà. Décollage. Décollage, rotation. Rotation et correction de dérive pour revenir, pour rester sur l'axe. Un peu de pied à droite pour les effets moteurs. Ouais. Et correction de dérive pour rester sur l'axe. Monte bien à 70 nœuds. Hein. Monte. Ah, il y a du relief ici à un côté. Arrête de bouger là. Manque du pied un petit peu. Hein. Ouais. Je sens pas le pied là. Voilà. Ouais. Je découvre trop de choses, j'y arrive pas. Allez, 300 pieds, action. Allez, donc comme un Montauban. J'éteins les feux, ouais. Je rentre les volets. Ouais. On est bon. Garde bien ton assiette de montée. Aide-toi du triple t'adore. Encore. Voilà, ça monte tout seul. Ok, c'est pas mal. Et voilà, virage à droite. Virage à droite ou gauche? À gauche. Okay. Voilà, à gauche, pardon. En sécurité, j'ai personne autour. Le relief monte tout doucement. Je suis à 75 nœuds et j'attaque mon virage. 20 degrés. Alors, virage à gauche, prise de cap là, Montauban Fox. Alpha Mike. Bien pris, Alpha Mike. Allez, vas-y, on prend dans le top travers terrain. Parce que notre navigation n'a pas démarré encore. Hein. Oui. Voilà. Ce vent qui pousse là, ouais. Ouais, là on a le vent plein cul. Hein. Ouais. Ah, tu vois les drapeaux en bas de. Les ça drapeaux va, de ça chez... va secouer un peu. Non. On allez, plus vite. Vas-y, tourne. Tiens. Ok. Bon, on est pas mal, hein, travers terrain. Encore, voilà. Le trait, il part de la verticale du terrain que tu as tracé ta navigation tout à l'heure. Ah, tu peux rejoindre le trait. Voilà. C'est bon, là ? La bille, elle est pas au milieu. Allez. Alors, reviens un petit peu sur ta route, un peu comme le décollage à Montauban, là. Donc 0,60, quel cap tu vas prendre, à peu près ? Alors, on avait dit 0,60, donc du coup, j'ai du vent qui me pousse, voilà. Je vais prendre un peu comme ça, ouais. Donc 0,55. Super, t'as tout compris. Attends, je vais trier. On va revenir chercher la route dans un premier temps. Ouais, donc, bon, pour rentrer à Montauban, la météo ira bien. Prends le top chrono. Eh bien, on est travers terrain, top chrono, le chrono repart et tu noteras l'heure. Hein. Parti. Donc du coup... Alors, regarde, tu l'as là, 38. Hoche, donc. Voilà, hoche, décollage, 38, voilà. Donc heure d'arrivée estimée, on a dit 24 minutes. 24 minutes, 38 plus 20, ça va 58. À 0,2. À 0,2. Alors ici, je paramètre
balise, hein. Donc là, le vent, tu ne t'en sers plus. Ah oui, on s'en sert plus. Allez, 2000 pieds, ça suffira. On va chercher ça, nous. On va chercher ça, nous, avant de le trimmer définitivement. Voilà. Ok, c'est pas trop mal, il est bien trimé. Voilà, tu vois, regarde. Ce que je te disais, il faut quand même revenir sur la route. Vu, hein. Ouais. Voilà. Alors, on annoncera qu'on quitte la fréquence au bout d'une dizaine de minutes de vol ou... Okay. Tu seras arrivé au bout. Pour l'instant, tu fais ta routine. Alors, la routine... Cabine. Voilà. Alors, la route, le top, est-ce que tu l'as pris? J'ai pris le top. Ok, notre route, est-ce qu'on y arrive dessus? Pas encore. Bon, on n'est pas loin. Là, tu peux, voilà, tranquillement, le temps de faire ton virage. Allez, je fais mon virage. Et donc, pour suivre une route 060, tu prends un cap 055. Le raisonnement est bon. Cabine. 0,55. Pas de pied pour des petits virages. Je me remettais un peu la bille, mais... Allez, bon. Alors, cap 0,55. Voilà. 0,55, un point de repère loin devant. Alors là, oui, un petit château d'eau là-bas, ouais, très loin. Le tout petit blanc, voilà. Ouais, léger. Donc le cap 0,55. Est-ce que tu es sûr que ta boussole est bien réglée là? Pas encore. 0,50, tu vois. Alors tu la re-règles. 0,50. Et tu prends le 0,55. Voilà, parce qu'on ne l'a pas réglé depuis le décollage, ouais, de Montauban. Ça marche. On a dit qu'on faisait le retour sur le réservoir. Alors, altitude en fonction de la météo, des zones, des espaces aériens, 2000 pieds. La cabine, carburant système. Allez, carburant, je change le réservoir juste. Exactement. J'allume la pompe. Si tu ne fais pas cette routine, tu n'y passeras jamais au carburant. Je bascule sur le gauche et j'éteins la pompe. Voilà, on a bien rentré les volets, on a bien coupé le phare, on a bien coupé la pompe. Ok, heure arrivée. L'estimé, donc on l'a calculé. Voilà, j'arriverai à 0,2. À 0,2 et la radio. La radio, prochain contact. Donc le prochain contact, ce sera en sortie des installations de Hoche. Ah, mais c'est fait, on y est là. Ok. Hoche de Fox Alpha Mike, en P2002 en direction de Montauban, à une altitude de 2000 pieds, je quitte la fréquence. Pour quitter Alpha Mike, bon vol, QNH 1019 maintenant. Alors tu lui collationnes le QNH 1019, merci, au revoir. QNH 1019, Fox Alpha Mike, merci, au revoir. Voilà, et tu le réactualises du coup, tu vois le QNH a changé, hein. Au passage de l'orage, le QNH augmente toujours. Hein. Ouais, c'est bien qu'il te le donne. Voilà, et tu prends ton jour, ton 0,55. C'est pas mal. Un petit peu plus, voilà. Voilà, moi je prendrai la tache blanche qu'on a au loin là-bas. Ouais, j'en vois une jolie, ouais. Voilà, allez. Correct, allez, je la prends, c'est pas mal. Allez, tu bascules et on va appeler Toulouse. Alors, on bascule sur Toulouse. Alors attends, on était... Tu l'as pas programmé, hein. Programme là. Donc Toulouse, 121-250. Alors, t'es en mode réglage de ça. C'est pas ça que je veux. Non, regarde bien, tu appuies sur le bouton là, simplement. Tac, et là t'es en réglage de ça. 121-250. Voilà. Okay. T'as vu, quand tu appuies, soit tu es en réglage radio, soit tu es en réglage de ça. Oui, vu. Réglage radio, okay. Réglage de ça. Oui, ok, ça dépend où est-ce qu'il est. Voilà, donc tu bascules maintenant. Non. Ah, non, tu bascules. Ah oui, là, comme ça. Voilà. Ok. Là, je suis sur la bonne fréquence de Toulouse. Voilà. Alors, Toulouse Info de Fox Hotel India Alpha Mike, bonjour. Fox Sergio, on est à 5 minutes de premier pour quitter. Oscar Juliette, de la qualité par... Alors il va certainement te donner le QNH régional et un code transpondeur. Ouais. Il faudra que tu le collationnes. Hein. Ok. Et c'est bien pris pour l'information de par... Et tout ça en regardant ta tache blanche là-bas au loin. Ok. Pas mal. Toulouse Info de Fox Alpha Mike, bonjour. Fox Alpha Mike, bonjour. Fox Hotel India Alpha Mike, un P2002... avec deux personnes à bord en provenance de Hoche à destination de Montauban à une altitude de 2200 pieds. C'est tout. Écoute bien ce qu'il va te dire. Alpha Mike 7040 au transpondeur QNH 1017, pas de trafic à vous signaler. Alpha Mike 7040 au transpondeur QNH 1017, pas de trafic à signaler, merci. Bah, tu dis pas merci, on lui dira merci tout à l'heure. Hein. Okay. Donc 1017. Donc la pression n'est pas tout à fait la même. Ok. Et 70-40 directement, il n'y a rien. 70-40, il n'y a rien à valider. 70-40. Voilà. C'est tout. Ok, écoute, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Alors là, il n'y a aucune obligation de le faire, ça. De sécurité, quoi. Voilà.
Alors par contre, s'il y a un trafic qui se balade, par là, ben, il va te le dire. Hein. Il va te dire, Fox Alpha Mike, un trafic à vos 2 heures convergent, à vos 10 heures convergent, etc. etc. 500 pieds plus haut, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est de l'estime pure. Oui. Tout à l'heure, je te rappelle, hein, il y avait cheminement, estime, radionavigation. À l'aller, on avait fait radionavigation et estime. On avait mis les deux. Oui. Là, par contre, estime pure. Hein. Okay. D'accord. Donc regarde bien. Tiens, on a un village à notre à ma droite. Là, tu le vois où il y a le château d'eau. Oui. D'accord. Oui. Si tu veux savoir où tu es. Tu reprends ta carte, ça fait combien de temps qu'on vole? Ça fait 6 minutes. 6 minutes. D'accord. Voilà. Donc on est parti de Hoche, voilà. Donc le track dans le sens de la marche, 6 minutes, un bled. Le bled, alors, je sais pas comment il s'appelle. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ok. Voilà. Bon, il y a un bled. Ok. Il y a un bled. On n'est pas trop mal. On est pas mal? Ouais, on n'est pas trop mal, ça marche. Mon cap 0,55, c'est bon. Je suis un peu impressionné par le vent sur le... Je me suis concentré vachement dessus en fait, tu sais, sur la précédente atterrissage. Et ça m'a un peu empêché de me concentrer sur le reste. Tu sais, je sais pas si ça te faisait ça aussi au tout début. C'est normal, ouais. Il y a beaucoup d'infos qui tombent en même temps. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à assimiler et déjà je me concentrais sur contrôler l'avion. Non. Après le GPS. Le GPS, alors. La GPS, quand tu seras breveté, je m'en fous. Hein. Sers-toi du GPS, hein. Use-en, abuse-en. Mais moi, je ne vais pas trop travailler avec le GPS. Hein. Non, Par contre, c'est bien comme ça. Il faut savoir s'en servir quand même. Donc, quand tu as une info qui n'est pas cohérente, tu fais return. Voilà. Et tu vois, notamment quand tu seras en nav solo, tu vois, ça te rassure. Tu peux un peu... Pour qui c'est passé avec non, ouais. Bah, écoute, elle s'est mis qui était la fréquence, au revoir. Là, on va descendre un tout petit peu. On va descendre un tout petit peu pour passer en dessous de cette zone-là, à 2000 pieds max. Tu descends à 2000 pieds, simplement. Je baisse le nez. Hein. Voilà, tu baisses le nez, c'est tout. Voilà, on redescend à 2000 pieds. Ça vous permet de prendre un peu de vitesse. Attention sur régime, tu prends du régime moteur aussi. Hein. Passe pas sur régime, tu prends de la vitesse, il n'y a pas de souci, ça ne turbule pas. Ce que tu peux faire aussi, comme tu n'as rien à faire, c'est programmer la prochaine fréquence. Papa Tango, approaching final destination, request to leave frequency. Papa Tango, squawk 7000, leave frequency, there is dropping activity over at Agen. Delta Papa Tango, squawking 7000 and watching out for activities. Who is this? Talking in English. C'est un avion de ligne ou... Je ne sais pas. Sympa ce petit vol là, comme ça, en mode balade. Alors, on est à 9 minutes, je peux essayer de regarder un peu où est-ce qu'on est. Voilà. Je vais attendre d'approcher les 10 minutes. Donc du coup, tac tac, je devrais survoler Beaumont par la gauche, qui devrait être là. Voilà, je vois Beaumont à gauche, correct. D'accord. Donc, 10, Beaumont est au fond à gauche, ça marche, Beaumont voilà. Sera à 11 minutes, donc à 11 minutes normalement. Eh bien t'as vu, c'est magique hein, ça marche. On n'est pas trop mal, ouais. Ok. Quand le vent n'est pas trop fort, tu vas voir, ça marche très bien. Hein. Donc, tout à l'heure on avait un peu de retard par rapport à la balise, c'est normal, hein. On avait un vent du 290, une route au 250, donc on avait une composante de face. Okay. Un peu de travers, un peu de face. Avant, une composante avant droite en fait. Voilà, donc un jour ou l'autre, il faudra apprendre. Alors, sur tous les avions école, tu l'as. Il faudra le mémoriser. Le TRA-CER. Je trouve que c'est bien, on trace notre route TRA, voilà.
le top, la route, l'altitude, la cabine, cabine carburant. Hein. Ouais. Voilà, comme ça on y pense, au carburant, surtout un avion avec multi-réservoir, l'estimé du prochain point, et puis la radio, voilà. Si tu as une autre méthode, mais il faut que ce soit cohérent, il faut que tout y passe. Hein. Il va falloir que je m'entraîne un peu à faire quelques atterrissages avec le vent de travers. Ah oui, des vents de travers. Alors, Hoche, il y en a souvent, parce que c'est souvent des flux d'ouest. Hein, t'as vu, à Montauban, ouais. On a souvent du vent dans l'axe 13 ou 31, du vent d'OTAN ou du vent d'ouest. Et Hoche, c'est une piste qui est orientée nord-sud. Voilà, comme Fumel. Alors, Fumel, Hoche, on a souvent du vent de travers. Du coup, c'est bien, il y a souvent du vent de travers. Voilà, donc ça, sur des terrains comme ça, ça vaut le coup d'y aller s'y entraîner. Écoute, on fera ça un de ces quatre alors. Montauban, c'est rare. Alors, on devrait pas tarder à voir notre ville là, non, au loin. Oh oui, tu vas la voir se dessiner devant toi. Hein. Voilà, le vent, il ne sert plus à rien là. Hein, donc... Le vent ne sert plus à rien. Alors, à quel moment est-ce que, là on est bien à 11h30 et il y a bien Beaumont sur la gauche, oui. On est nickel. À quel moment est-ce que je décide de quitter Toulouse Info pour partir sur Montauban ? Garde-le le plus longtemps possible quand tu vas voir Montauban et quand tu vas être rentré dans ton circuit d'aérodrome de Montauban. Plus, okay. Plus tu restes avec eux, plus tu es en sécurité. Parce qu'ils vont te donner l'information de trafic s'il y a du trafic qui se balade à Montauban. Ok. Dans la mesure où ils ne sont pas débordés de boulot, hein. Mais t'as entendu, ils ne sont pas débordés de boulot. Hein. Non, ça va là. C'est Toulouse qu'on voit à droite là-bas. C'est ça. Oh, ouais. On voit les hangars. Delta Charlie Papa, request to leave your frequency to call our final destination. Delta Charlie Papa, Skook 7000, leave frequency, there is dropping activity at Agen. Delta Charlie Papa, Squawk 7000, thank you, bye bye. Voilà, Squawk, c'est le transpondeur. Hein. Oui. Squawk 7000, donc il repasse. 7000. Voilà, c'est ça. Dropping Activity, c'est le parachutage. Ouais. Ils vont pas tarder à arrêter d'ailleurs avec la météo qui fait. Ou à Agen, oui, ça m'étonnerait pas, ouais. Et on a distancié un petit peu l'orage là, c'est bien. Ouais. On aura le temps de se poser tranquillou à Montauban. Alors, je vais essayer de repérer la ville, mais j'ai un peu de mal. On devrait la voir là. Alors, dans combien de temps tu l'estimes encore? Alors, on est à 13 minutes. 5, 5, 13. Il nous reste encore 10, 12 minutes, 10, 11 minutes. Je voilà, pense. L'estimé, elle était à quelle heure sur ton log de nav? 02. 02, et il est 51. Ouais, on est bon. Et il est 51. Voilà. Ok. Et le GPS, il te dit dans combien de minutes? Et le GPS bearing 8h40. Voilà. Donc tu vois, il faut se servir de toutes les infos que tu as. Il y en a une foultitude d'infos. Papa Victor Alpha Charlie, bonjour. Papa Victor Alpha Charlie, bonjour. Oui, c'est un RV6 au décollage du terrain privé de Nadès. On est actuellement à 1800 pieds devant l'hôtel 1017 pour un vol à destination de Lasbourg pour suivi de vol. Le village de Finan. Pour 70-40 non, pas encore. À top plus combien tu l'estimes Finan? Non, non, j'ai loupé un coche. Voilà. 10, 15, Finan sera à 17. À top plus 17, moi je lis top plus 14, donc ouais, 3 minutes. 3 minutes. Là on a quoi? On a pas, c'est pas marqué sur la carte. On voit pas si. Avec un petit réserve d'eau. Oui. Alors non, je crois qu'il y est pas. C'est Saint-Sardos. Saint-Sardos. Ah oui, ok, ça paraît cohérent, ouais. Je reconnais la petite entrée du lac. Donc on doit avoir la route qui mène jusqu'à Montauban quelque part. Hein. Oui, avec un pont. Avec un pont... à gauche là, je la vois. Voilà, tu vois la route. Et elle va... là, ouais, voilà, voilà, et après ça va traverser la Garonne. Oui, correct. Et le pont, il regarde bien sur ta carte, il est entre les deux traits que tu as tracés. Hein. Tout à l'heure on est passé de l'autre côté du pont, ouais, sur la Garonne, ouais, et là ouais, on va passer de ce côté du 2 pont. 2 minutes 50, donc voilà. On devrait être à 17 minutes aux alentours du pont. Je
pense. 17 minutes, on est à 15 et 20 secondes. Tu vois, on va y passer à la seconde de près, tu vois. On devrait le voir, ouais. Le pont de Bourrette. Une route que je faisais très souvent pour redescendre jusqu'à Tarbépo, celle-ci là. Et t'es originaire de là-bas? Ouais, je suis originaire de Pau, ouais. Ah ouais, enfin, j'ai passé la plus longue partie de mon enfance sur Pau, ouais. Ok, je vois le pont. Le grand pont. Voilà, et du coup, tu as Fignan. Fignan qui est là. 16 minutes, ouais. Fignan qui est là, et Montège qui est plus grand qu'on voit pas sur la carte parce ouais, qu'il y a, plein de, traits bleus dessus. D'accord, ok. Ah, ils le mettent pas quand il y a plein de traits bleus? Bah, si, il y est, mais il y a une surcouche de, traits bleus dessus. Ok, Montège. Bon, je dirais, ben, Montauban se dessine tout doucement derrière. Ben voilà. Qu'est-ce que tu vas lui dire à... Toulouse Info? Non, mais parle pas tout de suite, hein, vraiment ouais. Quand on sera tout près de Montauban. Donc je vais lui dire Toulouse Info, Fox Alpha Mike, en approche des installations de Montauban, je quitte la fréquence. Eh non. Ah. Voilà, la petite erreur, c'est le jeu qui quitte la fréquence. Nous quittons la fréquence? Non plus. Ben là non. Tu es avec un organisme de contrôle, ah, c'est lui le chef. C'est lui qui me dit. Donc tu vas demander. Je demande à quitter la Alors, fréquence. Alors, le jeu demande, c'est pour, prendre. Tu mets le mot pour. Pour quitter la fréquence. Voilà, donc okay. Ça va être, au lieu de je quitte la fréquence, ça va je être demande, pour quitter la fréquence. Ok, je le fais? Non, quand on sera à tout près de Montauban. La fréquence, elle est prête, hein, donc. Fox Alpha Mike, en approche des installations de Montauban pour quitter la fréquence. Tout simplement. Ok. Et tout à l'heure, hein, tu vois, quand ouais, on ouais, sera ouais. Sur Sapiac, hein, ou sur. Ça marche. Sur Alda Sud. Hein. Alors, des fois, c'est lui qui te le dit, quand il veut se débarrasser d'un avion, Fox Alpha Mike, vous approchez de Montauban, vous pouvez quitter la fréquence et transporteur 7000. Te dira aussi certainement de voilà tour du faux. On peut commencer peut-être à virer un petit peu à droite maintenant. Non, continue. On va faire une arrivée. Quel terrain? On fait une arrivée standard. Allez, 1800 pieds. Une procédure d'intégration, voilà, 1800 pieds. Et une intégration. Bon, je veux pas avoir une météo extraordinaire pour faire de la photo moi ce soir. Vous voulez faire de la photo nocturne? Non, photo normale, hein, j'ai 5 ou 6 clichés à faire, mais la luminosité me plaît pas. Tu pars avec un appareil pro, c'est ça, et tu fais quelque chose Oui, c'est un mec qui m'a demandé de faire des photos d'installation photovoltaïque. Ok, d'accord. Mais bon, là c'est trop, c'est pas bon. C'est pas grave, ouais, ça fait 3 semaines qu'il attend de manière, donc... Ça viendra. Ouais. Donc là, on repère le canal, l'autoroute. Les champs de pommiers, le faux, vers chez moi. Ah oui, là-haut, ouais, c'est vrai. C'est vachement plus fun quand même de se balader en avion qu'en voiture. Hein. Je roule beaucoup, mais je crois que j'ai plus d'heures d'avion que de voiture maintenant. Ce qui est un truc assez ouf quand même. Allez, je suis à 1900 pieds, je vais essayer de me stabiliser vers 1800. J'ai calculé que j'avais passé 1,9 ou un peu plus de 1,8 ans de ma vie en l'air. C'est dingue. Oh, c'est chouette. T'as dû voir beaucoup de choses de là-haut. T'as dû voir beaucoup de choses. Voilà, le temps de préparer ton arrivée, là, ben je ferai le message ici, là, voilà. Tout doucement, on fait le message ici ? Voilà, en vue de j'approche de Montauban pour quitter la fréquence. Toulouse Info de Fox Alpha Mike, j'approche de Montauban pour quitter la fréquence. Alpha Mike, 7000, quitte la fréquence, au revoir. Alpha Mike, 7000, je quitte la fréquence, au revoir. Je lui dis ? Oui. J'appuie sur VFR, c'est bien. Ah oui, VFR, ok. Voilà. Merde. VFR. Voilà. Donc je lui dis ? Oui. Alpha Mike, 7000 affiché, au revoir. Voilà. Non, parce que l'idéal c'est de répondre de tac au tac. Hein. Ouais, j'ai un peu tardé voilà. Parce que j'étais perturbé par ça. Oui, parce que en fait, quand il y a beaucoup de monde dans l'air, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va te prendre la parole. D'accord. Et après,
baisé. Ils ont été baisés. Faut le refaire. Voilà. Donc je vois les installations. Voilà, ben tu vas éviter la ville et faire ta procédure d'intégration. Hein. Tu vas aller voir ta manchère, choisir une piste. Alors on va faire un peu large et puis comme ça on prendra 20 ben voilà, tu suis la rocade mais tu survoles pas la ville. Hein. Est-ce que je réduis un peu le régime tout doucement? Je m'annonce. Oh, on arrive à 102. On arrive à 102, la verticale. Et puis si tu veux avoir, ralentir un petit peu pour avoir le temps, tu. Alors, j'ai dit un mot qui me plaît pas. Ah. J'ai dit vertical. Vertical, tu verras rien. Hein. Non, ouais, voilà, je m'éloigne un petit peu. Voilà, ouais. Tu viens faire ta reconnaissance. Ah, ouais. Oui, quand tu dis vertical terrain, de toute façon, j'ai bien compris qu'il faut que je puisse voir ma manche à air. Bah, tu vois l'ensemble de ton aérodrome, même, je dirais. Ok. Regardez l'activité qu'il y a. Hein. Tout à l'heure, il y avait un gars avec une faucheuse là qui était en train de. Comme ça, ça te permet. Si tu passes vertical, tu la verras pas. Une faucheuse, c'est un gyroscope, c'est ça, les petits. Non, c'est une faucheuse. Il coupe l'herbe. C'est un... ah. Voilà, il fait les foins. Je pensais que tu vannais un mec en gyroscope. Ouais, non. Alors, je vais pouvoir m'orienter un petit peu. Non, coupe. Non, traverse pas la ville. Hein. Suis bien la rocade. On peut la tangenter la ville, mais on n'a pas théoriquement pas le droit de la survoler en dessous de 5000 pieds avant toi. Un gréo. Voilà, par contre, au Montauban, il ne sait toujours pas que tu arrives. Hein. Alors, je leur dis. Montauban, Fox Alpha Mike, en approche des installations en P2002 à une altitude de 2000 pieds pour un posé complet sur la 31. Ah, tu t'avances beaucoup. Est-ce que tu es sûr que c'est la 31? Ah ouais, ok. Non, ouais, on sait pas. Hein. Donc il y a bien la faucheuse. Voilà, tu vois, là on voit bien ce qui se passe sur cet aérodrome, on voit la faucheuse. Voilà. J'aurais dû dire que j'étais à la verticale terrain peut-être, j'ai pas dit. Oui, on va lui dire en fait. Alors on n'est pas à la verticale encore, on va aller voir la manche à air, on va aller voir le vent s'il est calme, s'il a forci. Donc je vois la manche à air, et elle indique bien qu'on tourne en 31 puisque le vent arrive bien de l'axe. Alors passe pas vertical, écarte-toi. Tu vois, si tu continues ton virage, tu vas te retrouver vertical terrain. Et plus t'es loin, plus tu as le temps de voir ce qui se passe sur ta aérodrome. Voilà, on voit l'activité, on voit la faucheuse, très bien. On voit la manche à air. La manche à air, tiens. Voilà, on va aller voir, prendre le temps de bien la voir si le vent est fort. S'il est de travers, s'il est dans l'axe. Et un peu de travers, ouais. Mais il arrive de l'orage. Il arrive de l'orage, ok. Est-ce qu'il est fort? Non. Pas très fort. Ah, regarde, est-ce qu'il y a plus de la faucheuse? Regarde bien. Ah, il y a quelqu'un sur la piste. Ah, il y a quelqu'un sur la piste. Ouais. Ouais, je l'avais pas vu initialement, quoi. Je ne savais pas est-ce qu'il y a quelqu'un sur la piste. Tu vois, il y a des choses à voir. Hein. Un petit chargeur d'avion, c'est ça? Tu peux maintenir ton altitude, ce serait bien. Ouais. Allez, message radio. Fox Alpha Mike, la verticale terrain. Je vais à ma vente arrière pour poser sur la 31. Voilà, le bon côté. Facteur de piste de Montauban, nous libérons la 31. Reçu. Tracteur de piste, c'est reçu. Voilà. Et le mot que tu cherchais là, que je t'ai vu hésiter, c'est report. Je me reporte. Voilà. Je savais pas quoi dire. En anglais, c'est pareil. Report. Report to 31. Downwind. Downwind? Downwind, c'est vent arrière. Downwind. Report to downwind. Down. A landing on 31. Yes. Alright, let's go, let's do it. Allez, mais du coup, je... Voilà, mais t'as fait ta petite minute d'éloignement. Et c'est parti vers la vent arrière. En sécurité, j'ai personne autour. Ok. Allez. Virage. Virage en descente pour aller chercher tes 1300 pieds. Et tu peux commencer à calmer le jeu. Les paramètres moteurs sont toujours bons, il fait un petit moment qu'on les a pas vérifiés. Voilà, le carburant aussi pour l'atterrissage, tu peux le laisser comme ça. Hein. Et le phare. Au premier message, moi tu vois, 5 minutes avant l'arrivée de l'aérodrome, je mets le phare. Comme ça on te voit arriver de plus loin. Allez. Anticipe l'arrêt de la descente, voilà. 50 pieds avant. Cet avion. Ok, le régime moteur. Tac. Je perds un petit peu ma vitesse. Je suis un peu rapide encore. Ça y est, ça descend. Alors,
j'allume mes feux. Qu'est-ce que... Non, ils sont allumés. Je vais essayer de prendre. Voilà. Allez, descends pas. Aide-toi du trim. Aide-toi du trim, le trim t'adore. Arrête de bouger. Allez, c'est bon. Donc, mes volets en position take-off. Hop là. Ma réchauffe carbu, ma pompe. Fox Alpha Mike en vente arrière pour un atterrissage sur la 31. 1400 pieds, je suis un peu haut. 70 nœuds. Un peu bas en régime. Voilà. Je vais chercher ces 1300 pieds. J'ai pas pris mon chrono, je ferai un 45 degrés. Ouais. Toujours un peu haut. Je cherche ma piste, l'avion me fait des siennes. Allez. Eh bien, on n'est pas trop mal, hein. On va attaquer le virage. En sécurité, j'ai personne autour. C'est parti. Virage à vitesse constante. Je suis un peu haut. Soixante-dix, c'est trop, hein. Ah ouais. Pas la peine de majorer, hein. Fox Alpha Mike en étape de base pour la 31. Toujours pas ma vitesse, je suis un peu fort. Un peu haut, 1100 pieds. Les éléments moteurs sont toujours bons. Je vais pas tarder à attaquer mon dernier virage. 70 nœuds. 900 pieds. Je me maintiens. Je vais attaquer mon dernier virage. Maintenant. Sécurité, j'ai personne autour. Un petit peu de gaz. Je descends un peu trop. Je m'enfonce. Trop mal, allez. On stabilise cet avion, axe plan en vitesse. Pas trop mal. 70 nœuds, je réduis les gaz. Je configure mes volets en position atterrissage. Fox Alpha Mike en approche finale pour la 31. 55 nœuds, ok. Je me mets 55 nœuds. Je réveille un peu les pieds. Je suis un peu bas en vitesse, je réaccélère. Allez, 55. Vitesse, ouais, je suis trop bas. Tu as une approche trop plate, enfin plate, ce qui te fait arriver avec beaucoup de moteur. On n'arrive jamais sous le plan. Qui creuse le plan, creuse sa tombe. Ok. Donc, tu as vu, hein, ouais, ouais. 55, hein, garde bien ton padé. Voilà, là c'est bon, tu as rattrapé le plan. Vas-y, garde-le maintenant. Tu vois, ça c'est, tu vois, ouais, c'est bon, plus, ça. Plus tu arrives bas, plus tu arrives avec le néo, plus tu arrives avec de l'incidence. Allez, 50 nœuds. Alors, réduis complètement les gaz quand t'es posé, voilà. Manche au ventre, je tiens le manche. Voilà. Voilà, allez. Je me suis fait peur. Ok. Tu penses pouvoir repartir là ou pas? Pardon? Tu penses pouvoir repartir là ce soir? Ah oui, là je repars. Ouais, je vais pas te faire faire du solo à cause du tracteur là. Ah non, pas là maintenant, c'est très bien. Je sais pas, je vais peut-être partir mais pas faire de photo, je pense pas. Il y a un peu de vent qui arrive là, j'ai pas envie de me faire surprendre. Non, je pense que d'ici une heure ça bougera pas, deux, trois quarts d'heure ça bougera pas. Mais bon, comme le tracteur bosse là-bas. La prochaine fois c'est très bien, ouais. Ouais.
Alors, j'éteins les feux. Je remonte les volets. Fais ton message, comme ça s'il y a un avion derrière, ce sera... Fox Alpha Mike, la piste est dégagée, je roule au parking. Voilà. On va le ramener au hangar. Au hangar. Tu veux que je retire la caméra? Non, c'est bon, juste un petit peu d'air. Hein. Ça fait du bien. C'est l'ULM, c'est ça? C'est un ULM ou c'est un ULM, ça, ouais. Quand il n'y a pas d'immatriculation sur le flanc, c'est que c'est un ULM. Bonne façon de savoir. Il y a une immatriculation, mais qui est marquée sous l'aile. Avec un numéro de département plus deux chiffres, deux lettres, pardon. Ok. Voilà. Alors je tourne, je me mets vers... Oui, tu le mets à côté de l'avion, voilà. On ne va pas le rentrer tout de suite. Hein. Doucement. Oupa, quand tu roules. Hein. Voilà, stop. Mets-le seul là. Alors, je reprends ma checklist. Bah, du coup, je peux noter ou pas? Je note mon heure d'arrivée. Non, on l'a complètement zappé. Ouais. Alignement, décollage, après décollage, croisière, descente, vent arrière, finale, volet, piste dégagée, phare off, les volets sont rentrés, la réchauffe carbu, froid, elle est poussée, la pompe elle est sur off, le trim au neutre. Message radio. Fox Alpha Mike, au parking, je quitte la fréquence. Roulette de nez, elle est dans l'axe, le frein de parc, il est serré. La radio elle est clôturée, master